Bonjour et bienvenue à la chaîne YouTube des Microsoft Learning Consultants ici au Canada. Aujourd'hui, je vais vous montrer la fonction Dicter qui permet de dicter du contenu dans un carnet OneNote 2016. Sous les comptes d'Office 365 pour éducation, les outils pédagogiques et la fonction Dicter sont déjà intégrés dans l'expérience native de OneNote 2016. Alors, cet instrument est prêt à être utilisé par vos élèves dès maintenant. Mais pourquoi cet outil a la capacité d'aider vos élèves en difficulté? Eh bien, la fonction Dicter permet aux utilisateurs de créer leur propre contenu et écrire du texte eux-mêmes, tout simplement en parlant à voix haute. Il y a des élèves qui ont de la difficulté à composer des mots, des phrases et du texte. D'autres élèves qui ont des défis d'orthographe, et il y a même des individus qui ont de la mobilité réduite. Dans ces cas, l'utilisation d'un clavier peut être un obstacle à l'expression de soi. La fonction Dicter utilise la reconnaissance vocale en utilisant la même technologie qui alimente Cortana. Cet outil peut améliorer l'écriture et donner confiance aux écrivains débutants. Laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Dans le ruban en haut, en mauve, vous avez un bouton qui se nomme « Outils pédagogiques ». En cliquant dessus, vous allez trouver les outils d'apprentissage pour vos élèves, tels que le lecteur immersif et les aides et commentaires. Ensuite, vous allez cliquer sur le bouton « Dicter ». Cela lancera la dictée vocale où l'étudiant peut commencer à réciter son texte. Le bouton rouge indique qu'il enregistre les mots et en recliquant sur le bouton « Dicter », vous arrêtez l'enregistrement du texte. Assurez-vous de parler clairement et fort. Essayons! Cet outil Microsoft est génial! Voilà! C'est aussi facile que ça! Vous pouvez aussi voir que la ponctuation est ajoutée pour moi. Allez-y et essayez-le! J'espère que ceci va être utile dans vos classes. Merci et à bientôt!